Alors pour désengorger TibFin, que vous n'ayez pas trop de notifs sur cette chaîne, parce que je sais que ça doit être chiant au bout d'un moment, je vais aussi mettre des news sur Team Motorsport de Formule 1. Donc je ne vais pas en mettre autant, hein, évidemment je vais en mettre 3-4 par jour max, des news qui seront pas trop importantes, mais je vais quand même en mettre pour les traiter et vous informer le plus possible. Donc Steiner célèbre le retour probable de la F1 en Afrique du Sud. Alors c'est pas officiel encore. Hein. Je pense que pour la Formule 1 en général, pour tout le monde, c'est bien d'aller sur un autre continent. En fin de compte, c'est un championnat du monde et j'espère que ça se produira. Je ne suis jamais allé à Kiami, mais plein de gens y sont allés et ça, ils me disent que c'est un bel endroit. Donc je pense que ça serait bien si la F1 signe un contrat là-bas. Bah écoutez, la BBC a annoncé au final que c'était quasi officiel, donc pour 2023, Kyalami pourrait faire son grand retour en Formule 1. Ça tombe bien puisque Hamilton sera encore là en 2023, donc c'est aussi pour ça, je pense, qu'ils ont poussé pour que le Grand Prix ait lieu dès l'année prochaine, pour être sûr d'avoir au moins un an à Hamilton. Bon, je vous laisse commenter, vous en pensez quoi? Ciao!